Madame Blandin, oui. Quel est votre rapport au canal? Comment est-ce que vous avez été introduit dans le canal? Mon rapport au canal, c'est que je me suis mariée avec un Égyptien qui était un officier de marine, qui a fait toutes ses études en Angleterre et qui était engagé au canal en 1954. Bon, et je me suis mariée, c'est comme ça que je suis venue au canal. Si je peux me permettre de vous demander, votre mari, avant d'être au canal, très rapidement, qu'est-ce qu'il faisait? Il était capitaine au long cours. Alors, il s'est engagé au canal. Il a été accepté. Non, parce qu'il voulait aller au canal. Dès qu'au canal, vu parce que c'était la grande famille El Hadidi, et que c'était connu, et qu'il avait de bonnes notes, et qu'il était sympathique. Et sa mère était turque, on le prenait plus pour un Italien qu'un Égyptien, d'ailleurs, quand on le voyait. Bon, mais il a été engagé. Il parlait l'anglais parfaitement, bien sûr. Là. Et le français, je vais vous dire pourquoi, parce que c'était la langue secrète de sa famille. Son père avait fait ses études de droit et sa mère sortait du couvent des oiseaux. Ah, oui. Donc, à la maison, on parlait français. D'accord. Autrefois, dans beaucoup d'autres familles, d'ailleurs, c'était normal ici. Quel trajet il faisait? Vous savez, ça dépend où vous êtes posté. Si vous êtes à Ismaïlia, vous allez dans les deux sens. Si vous êtes à Suez, comme après, moi, j'ai préféré être à Suez, parce qu'il faut toujours être loin de la tête. On est beaucoup mieux, parce qu'il y a moins de rivalité, de jalousie, de petites histoires, de cancan. Alors, moi, j'ai demandé si on pouvait être à Port-Théophile. Alors, Port-Théophile, il prenait le bateau de la rade jusqu'à Ismaïlia, où il partait en voiture à Ismaïlia et il revenait avec un convoi. C'était son trajet. Est-ce qu'il y a des anecdotes plus particulières que vous auriez aimé transmettre, qui vous paraissaient un peu significatives? Rien de spécial. Vous savez, tout était tellement facile. Il n'y avait pas de problème. Autrefois, il n'y avait pas de problème. Les pilotis parfaits, tout marchait. Sauf qu'après, alors, c'était un peu moins bien. On réparait avec... Si bien que j'ai ma fille qui avait 5 ans. On prend Égyptair, on part à Paris. Et elle me dit, maman, tu n'as pas peur? Je dis, non, j'ai pas peur. Maman, tu n'as pas peur? Je dis, pas peur. Mais écoute, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le sparadrap sur le fauteuil? Et s'il y en avait sur le moteur? Parce qu'un jour, son père est revenu en disant, on a mis de la ficelle, on a rangé, hop, on est parti. La vie au canal, c'est pour ça que je n'ai pas trop aimé rester à Ismaïlia, parce que c'était vraiment un pays dans un autre pays. C'était le canal, hein, c'était tout à fait différent. Bon, et alors, c'était les réceptions, c'était une vie mondaine, et on n'allait pas chez un tel, on allait chez un tel, c'était très compliqué. Mais tout était facile. Et puis, les enfants étaient pensionnaires, soit de la Mère de Dieu, soit du Sacré-Cœur, les filles, soit du Père Jésuite, soit à Saint-Marc. Il n'y avait aucun problème. Vous savez que le diplôme de fin d'études jusqu'en 1980 des écoles de la Mère de Dieu où j'avais mes filles, les Sacré-Cœur ou les autres, on avait l'équivalence avec le baccalauréat français. Formidable. Ouais. Sauf pour aller à Polytechnique. Tout ce qui était mathématiques, ça ne marchait pas. Mais tout ce qui était littéraire, il y avait l'équivalence tellement les études étaient bonnes. Ah oui, d'accord. Oh, excellent. Alors, dans ces établissements, on en parle deux minutes, qui y avait? Est-ce que c'était un peu fractionné ou est-ce que tout le monde était... Tout le monde, c'est seulement comme ça a toujours été un peu cher quand même. Oui. Vous avez l'élite, si bien que jusqu'à du temps de Moubarak, par exemple, maintenant je ne les connais pas, mais beaucoup de femmes de ministres venaient de la Mère de Dieu ou du Sacré-Cœur. Ah, oui. Elles avaient étudié là, tout. Après, c'était une mafia. Moi, je suis Mère de Dieu, bon, d'accord. J'ai toujours trouvé ça. Moi, je suis Sacré-Cœur, bon, d'accord. Bon. Et alors, quand vous êtes parti, que vous avez quitté Ismaïlia, la vie du côté de Suez était différente? Elle était différente, surtout pour moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours aimé m'occuper du social, m'occuper d'un tas de choses. Et j'avais beaucoup voyagé, puis je voyageais, c'était plus facile. Et puis, j'étais la cinquième petite sœur des sœurs de l'Assomption au dispensaire. Alors, ça fait que je m'occupais beaucoup des pauvres. Et pour moi, la vie était merveilleuse. D'accord. Alors, avec les Français... Vous n'avez pas regretté la vie mondaine d'Ismaïlia? Ah, pas du tout. Il n'y avait pas de vie mondaine à Porte... Très peu. Très peu, c'était plus du tout le même caractère. Alors pour moi, c'était plus intéressant parce que je m'occupais, ou bien j'allais aider au bon pasteur pour les études, puisque je suis professeur, ou bien surtout, j'étais pour m'occuper des pauvres. Quand en 67, ma maison a été démolie par le bombardement, et que je suis arrivée au Caire après,
M. Marfin, qui était un fini ambassadeur, mais qui à ce moment-là était conseiller culturel, m'a attrapé par les cheveux, il m'a dit « René, centre culturel, j'ai besoin de vous », parce que je le connaissais. Donc, j'ai, le 1er janvier 68, j'ai enseigné au centre culturel. Très bien. Alors, on revient au canal. Oui. Arrive 56. Ah oui, ah oui, c'était pas prévu. Qu'est-ce que vous pouvez dire, enfin, ah ben, 56, ah ben, c'était la panique. Ça a été évidemment la panique parce que ben, ça allait mal partout. Vous savez que sans faire de politique, au début, M. Nasser n'était pas. Ils avaient peur, les Égyptiens. L'élite voyait arriver un militaire, ça ne leur plaisait pas du tout. Bon, et alors il y a eu ce problème où ils auraient pu réfléchir avant de la triple agression. M. Nehru, je sais que ça, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, bien sûr, a dit que si jamais l'Angleterre attaquait l'Égypte, eh bien, il se retirait du Commonwealth. Wouhou ! Les Anglais ont dit, pas question, on repart. Et si les Anglais repartaient, les Français repartaient, ils sont repartis. Et là, j'étais là, quand Nasser a crié, avec des bâtons et des balais, en criant « Allahu Akbar », on a mis les Français et les Anglais dehors. Et n'oubliez pas qu'après, dans toutes les... J'ai voyagé, hein, j'ai écrit des livres sur la Jordanie. Dans toutes les échoppes du monde arabe, il y avait la photo de Nasser. C'est l'homme qui a mis les Français et les Anglais dehors, sans rien faire. Comme ça, ils sont partis comme des rats. Alors ça a été la catastrophe pour nous. Hein. Pour nous, ça a été pour Français, ça a été terrible. Hein. Alors justement... Et j'étais obligée d'aller pointer, moi, comme Française, à la police. Ben oui. Pendant, à partir de la Grèce, parce que 56. Avant la Grèce, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand j'évoque 56, vous ne parlez pas de la nationalisation, mais de... Ben oui, mais la nationalisation, elle est venue après, du coup, quand il a vu ça, il a nationalisé le canal. Ben, pour lui, c'était tout à fait logique. Et les Égyptiens ont été tout contents. On dit, voilà l'argent qui va nous revenir, le peuple. C'est qu'après, ben, les Français étaient mal vus. Ah oui. Alors qu'on était adorés. Ben, j'étais à Portéophique. Bon, les Français étaient adorés. Tout le monde parlait français. Hein. Mais c'était... Si un commerçant n'avait pas mis son nom en français, mais ça n'allait pas. Si bien qu'un coiffeur avait mis ici, on coupe les dames. Ah oui. Et puis les annonces aussi. Attendez, je me souviens toujours, j'avais relevé, il y avait dans le journal un appartement, le boulevard Ramsès maintenant, qui est le grand... s'appelait le boulevard de la Reine Nazli, c'était la mère de Farouk. Et il y avait un appartement à louer sur le derrière de la Reine Nazli. Oui. Parce que c'était court, c'était sur le derrière de l'avenue. Mais il fallait que ce soit en français. Tout était français, on était comme des rois, nous, les Français, ici. Il y avait 40 000 Français, autrefois, avant 56. Il y avait l'hôpital français, il y avait les médecins français, les dentistes français, les avocats français. Le tribunal mixte. Bon, c'était arabe et français. Et un jour, un juge, un avocat a plaidé en anglais, et le juge lui a dit, ça je me souviens, hein, en français, monsieur. Il est parti, hop. Ah non, mais c'était unique. Oui. Et alors, ça a été brutal, donc. Ah oui, ça a été brutal. Ça a été très brutal, parce qu'on ne s'attendait pas à ça si vite. Alors évidemment, les Français et les Anglais, ils ont dit, on leur a fait comprendre qu'il fallait partir, et ils sont partis. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, moi, les meubles, les trucs ici, rien, parce que je les ai vus partir avec une valise. Et après, quand on allait chez les successeurs ou pas n'importe quoi, « Ah, mais c'est le tapis de Madame Intel !»« Ah, mais ça, c'est le... » Ah oui, ben, tout ce qui était resté, ils l'ont pris. Et alors, justement, et votre mari, qui était, oui. Ça a dû être pour lui aussi très, très difficile. Attendez qu'il était marié à une Française. Non. Non. Ah bon, au canal, non. Non, non. Ah oh, bon, non, non. Il a continué. Oui, aucun problème. Au contraire. Oui. Au contraire. Ah oui, c'était l'ancien. C'était... Ah, oui. Et le 15 septembre... Et il n'a pas été mal vu en tant que marié à une Française. Pas du tout. Pas du tout. Aucun. Hein. Ah, oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais tout le monde m'aimait, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai une tête. Je ne pourrais pas être contrebandière parce qu'on me raconte partout. On me retrouve. Et tout le monde m'aime. Je fais rire. Vous savez. Je vous ai dit que j'avais deux ambitions. Moi, c'est aider. Et ça, je n'ai pas arrêté dans toute ma vie. Et faire rire. Moi non plus. Je n'ai pas arrêté non plus. Bon. Mais vous n'avez pas pu faire rire pendant l'année 56. Quelques jours, oui. Sauf le jour où il a fallu partir. Alors. Je me suis dit toujours, moi je suis partie, je ne croyais pas. Parce qu'il y avait une telle armada
qui a passé le canal, qui venait l'armée pour aller au Sinaï. Je me suis dit, ils sont tellement nombreux, les Israéliens, ils ne vont pas marcher avec ça. Bon, évidemment, moi, ma connaissance de Suez, je n'ai rien vu. Bon, alors je disais, on ne va pas partir, on va voir. Et puis quand j'ai vu les Israéliens sur l'autre rive du canal, le 8 juin 67, hein, parce que la guerre était déclarée le 6, 8 juin, il y avait les Israéliens de l'autre côté, j'ai dit, maintenant, il faut partir. Maintenant, hop, allez, hop, on est parti. Alors, ça, c'est en effet, on va en parler là, quelques instants, 67. Et en 56, non, vous étiez à Suède, donc il n'est pas dû voir le si. Canal bloqué. Mais si, ben si, j'étais là. Et si, que j'étais là. Et je vous dis, et quand les Français et les Anglais ont décidé de ne pas faire fonctionner le canal, un pilote, mon mari me disait souvent, mais tu sais, j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai bavardé avec le commandant, on a bu du whisky, on avait... Ah ben, j'y sais bien. Parce que quand la mer est d'huile, le pilote, il n'a rien à faire. Le bateau, il va tout seul. Le pilote est important quand il y a des écueils, quand il y a des choses qui ne vont pas, de la tempête. Alors, lui, il ne sait pas où passer. Il sait où il faut mieux se diriger comme ça ou comme ça. Donc, dans les tempêtes, c'est toujours le pilote qui prend les commandes du bateau. Ah oui, carrément, il dirige le bateau. Sinon, il est à côté du il est à côté du pilote. Ah oui, oui. Mais, alors j'aimais bien, parce que quand c'était après, on savait qu'avec Nasser, on n'avait pas grand-chose, alors le commandant lui dit, votre femme est française, alors attends, je vais vous donner du fromage, des trucs. C'était marrant. Hein. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ce jour-là, une mer... Mais vous savez, quand la mer est d'huile, il n'y a pas une ride. Oui, oui. Bon. Et puis, le problème, c'était les Grecs. C'est que toute la signalisation était aux mains des Grecs. Ah oui. Et entre les Grecs, les Français, les Anglais, quelquefois, il y avait quelques frictions. Quelques tensions, oui. Bon, donc, les Égyptiens sont allés trouver les Grecs hein, et leur ont dit, écoutez, ça fait longtemps, vous êtes installés en Égypte, on vous considère comme des frères et tout, vous aurez tout pareil, mais restez avec nous. Bon, les Grecs se sont dit, pourquoi pas, on est installés ici et tout. Donc, l'important ce jour-là, c'était la signalisation. Or, la signalisation a marché. La mer était d'un calme. Le canal, enfin, c'est comme la mer, venait. Donc, tout a marché. Alors, le soir, au club du canal, il y avait les Anglais d'un côté, les Français de l'autre qui ne se parlaient plus. En se rangeant, c'est de votre faute, c'est de votre faute, je ne sais pas trop quoi, mais ça n'allait plus du tout. Alors là, c'était épouvantable. J'avais les cours de l'université de Sorbonne, les cours de civilisation. Si jamais j'avais du mal de Gaulle, je me faisais écharper à la sortie. Ah, c'était un dieu. Ah oui. Alors après, en 84, moi, j'étais élue. Et quand on passait, il y a n'importe quoi, « Di Gaulle !» Je criais « Di Gaulle !» Enfin, jamais on arrêtait quelqu'un quand on criait « Di Gaulle !» C'était sacré. Ah oui, d'accord. Et ça a refait la même chose avec Chirac. Ah oui. Je vous dis franchement. Ah, oui. Ah, je le remercierai jusqu'à la fin de mes jours de ne pas avoir été en Irak. D'accord. Ah oui, je sais pas ce qu'on serait devenu, hein. Oui, d'accord. Ah, parce qu'ici, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Ah, oui. Parce que là, ça, tandis que là, alors là, c'était le passeport. Ah, oui. Anna Chirac ! Oh oui, passe ! Il n'y a aucun problème. Hein, j'ai crié deux fois. Ah, les mots de passe, moi, c'était je suis Di Gaulle, et je suis Chirac. Ah, d'accord. Bon. Oui. Non, mais c'était très sympathique. Alors, non, vous, mais De Gaulle. Vous avez dû quitter en 67. Oui. Quand, oui. Et je suis arrivée au Caire chez des amis. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah ben oui. Et tout de suite, alors, M. Marfin m'a pris, 1er janvier 68, c'est pas loin, hein, j'ai travaillé. Donc j'ai cherché une maison qui soit pas trop loin, parce que pour mes filles et tout. Et puis je suis là depuis, depuis 68. Elle a été terminée en 70. Et votre mari, alors, qu'est-ce qu'il a pu faire, alors, après 67? Ah, bon, alors, ils attendaient. Non, mais ils étaient suspendus, ils allaient de temps en temps. Et puis, alors, une anecdote, attendez. Alors, il fallait qu'il aille à Suez pour voir ce vote. Puis un jour, il y a la ministre de la Santé, c'était Madame Hachem, qui est passée. Alors, ils sont allés parce qu'il fallait déminer la côte jusqu'à Sourna. Alors, il y avait beaucoup de travail à faire. Et avec eux, il n'y avait rien. Elle cherchait un endroit pour se soulager. Il n'y avait rien. C'était affreux. Hein, tout était démoli. Hein. Et puis après, on a remoli, comme disait mon petit-fils. Il dit, mamie, j'ai démoli, mais je veux remolir. Bon, d'accord, on a remoli.
Et puis, en 1974, les bateaux recommençaient à passer. Et moi, j'étais au Caire, et lui, bon, c'est pas loin, il y a 125 kilomètres. Hein. Vous savez, c'est rien du tout, le Caire. Et puis, mes filles étaient à l'école. Hein. Est-ce que dans ces livres, vous avez à un moment donné quelconque évoqué le canal ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien ça. Sûr, ben, il y a celui sur Suez, celui qu'il a. Il y en a, et alors un autre que j'ai écrit parce qu'on m'a détaché une sœur de Beyrouth, les petites sœurs de l'Assomption qui avait connu sœur Bernadette. Il y a eu en 1956, c'était pas exprès, une sœur qui s'est fait écraser par un camion militaire. Et cette sœur a eu une vie extraordinaire. Elle était d'abord capitaine de l'armée du salut. Et puis, elle était en Algérie, puis elle s'est pas convertie, mais elle est devenue chrétienne, elle est rentrée au Lens. Et moi, j'étais tout le temps là, moi, j'allais, chaque fois qu'il y avait une sœur qui venait, il fallait que j'aille au cimetière pour montrer la tombe. Alors, elle a dû avoir les doigts de pied qui grattaient comme ça, la pauvre sœur, si bien qu'on m'a demandé de faire raconter sa vie. Alors là aussi, j'ai reparlé du canal, obligatoirement. Monsieur El Sadre m'a parlé des pique-niques auxquels il avait participé. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, je vais vous dire, les pique-niques, c'était à Sourna. Parce qu'à Sourna, il n'y avait rien. Rien, rien. Vous entendez ? Rien. Alors, on partait avec la nourriture, le truc, sur le sable, on nageait, et puis on revenait. C'est bien qu'un jour... j'en avais 9 des gamins, moi. Parce qu'en semaine aussi, j'avais 9 dans la voiture, si bien que j'ai croisé une pilotine, une voiture du canal. Il a dit à mon mari, la prochaine fois, achète un autobus, hein, parce qu'on a rencontré ta femme, et la voiture était chargée. Il n'y avait rien. Imaginez qu'un jour, j'étais là, les enfants étaient dans l'eau, je gardais tout, arrivait un couple, côté bon, et ils descendent nager, et je vois un petit aigle qui descend de la montagne Ataka en haut, qui s'approche. Alors j'ai vite couru avec un drap de bain. Hein. Ils avaient laissé le bébé. Quand ils m'ont vu, ils sont venus. J'ai dit, mais on aurait laissé le bébé comme ça, mais il fallait me le passer, le bébé. Puis vous voyez que j'étais là, donnez-le-moi, que je gardais. Ben. Heureusement qu'il n'a pas pris le bébé, hein, parce qu'il prenait les boutons. Hein. Il n'y avait rien. Maintenant, c'est une ville. Il n'y avait rien. On ne peut même pas acheter un Coca-Cola, il n'y avait rien. Oui, alors on partait, nous tous, et pour nager à Sourna. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais eu envie de revenir en France. À ce moment-là, ben non, mais j'avais une vie passionnante. Oui. Mais écoutez, je vais vous dire, ce n'est pas de moi. Hein. L'adversité, c'est comme la chaleur. Ça fait tourner le lait. Et ça fait mûrir les pommes. Bon, j'ai eu la chance d'être une pomme. Oui, d'accord. Non, c'est tout. D'accord. Alors, là, vous avez tout compris. D'accord. Alors, on revient à ce problème du sentiment vis-à-vis des Français. Hein. Donc, bon, ça a été momentané. Hein. Oui. Non, parce qu'ils avaient... Vous savez, souvent, un chauffeur de taxi, même encore, il n'y a pas longtemps, un vieux chauffeur... Il me dit, ah, tu sais, les Français, c'est quand même eux qui nous ont apporté les facultés, l'hôpital et tout ça. Parce que les Anglais n'ont jamais rien apporté. Ils n'aiment pas les Anglais, hein, entre parenthèses. Mais les Français ont apporté la culture, ont apporté tellement de choses. Ils détestaient les Anglais parce que l'île de Zamalek, les deux ponts étaient gardés. Hein, et à la tombée de la nuit, personne n'avait le droit de passer. Zamalek était interdit aux Égyptiens. Ah oui! Sauf au Pacha qui avait leur vie, mais c'était quoi? On les comptait sur les doigts. Et le club de Gizira, le club de Zamalek, avec le club de New Delhi, aux Indes, c'était les deux plus beaux clubs du monde. Du monde! Vous entendez? Oui. Non, mais il fallait voir la vie que c'était. C'était un paradis ici. Je n'ai jamais vu même un regard méchant contre moi. Ah bon? Non, non. Ah bon. Non, non, mais c'était autre chose. Vous savez, celui. C'est Nasser qui a tout perdu. Après, quand on leur a dit, vous, les Arabes, vous savez tout, vous êtes les maîtres du monde et tout, les jeunes, ils l'ont cru, et ce n'est plus du tout la même mentalité. Si vous rencontrez des Égyptiens, pas de mon âge, si vous m'aimez moins quand même, comme notre cher ami là et tout, c'est tout à fait différent. Et je sais qu'il y a une Égyptienne qui m'a dit, je suis plus proche de toi, française, que de ma voisine qui est Égyptienne. Parce qu'il y a encore cette élite qui a été... Très ouverte.
Hein. Et puis, je ne sais pas, il y a des traditions qui sont... J'ai vu dans des familles où c'était voilé, hein, un arbre de Noël. Ce n'est pas pour ça qu'ils aimaient les chrétiens, mais il y avait un arbre de Noël. Il faut continuer de fêter Noël. Ce qui a toujours paru très drôle. On voit un arbre de Noël en Égypte, on ne le voit pas en France. Enfin, à part ça, c'était bien. Après la nationalisation, hein, il y avait 19 nationalités. Il y avait des hindous. Il y avait beaucoup de yougoslaves. Il y avait un yougoslave qui était ventriloque. Alors, il donnait le chauffeur. Parce que quand il revenait d'Ismaïa jusqu'à Suez, comme si quelqu'un klaxonnait. Il n'y avait pas de voiture. Ça ne se voyait pas, il était ventriloque. Ah, ça. Vous voulez des petites histoires, en voilà une. Bon, mais il y avait des Yougoslaves, des Italiens, beaucoup de Russes. Il y avait deux Américains. Il y avait ni Anglais ni Français. C'est ça, voilà. C'est tout. Et alors, quelle était la langue que les gens parlaient entre eux ? Anglais. Ah, c'est ça. Bah oui, parce que les étrangers ne savaient pas. Les Anglais qui n'étaient pas aimés. Oui, mais, qu'est-ce que vous voulez ? Les étrangers ne sachant pas l'arabe. Oui. Et il fallait bien qu'ils parlent avec tout le monde, donc c'était l'anglais qui était. Vous avez un Yougoslave qui va parler avec un russe. Il parlait en anglais. C'était d'ailleurs la langue de la marine, de toute façon. Oui, exactement. La marine a toujours parlé anglais. Oui. Et alors, nous, on a fait appel. Il manquait de pilotes égyptiens. Hein. Ah, oui. Donc, on a fait appel au tiers-monde. Oui, pas oui, tout à fait, mais... C'est ça, oui, d'accord, oui. D'accord. Mais très réservé. Mais, alors, les Russes, on ne les voyait presque pas. Ils étaient un peu à part. Oui. Et je me souviens, un jour, je revenais, il pleuvait, il tombait des cordes, et tout d'un coup, je vois un pilote russe qui attendait l'autobus. T'es là. Alors, je fais marche arrière, je suis monté. Hein. Bon, alors, je prends le russe, et puis il me dit, ça tombe bien, parce que j'ai quelque chose à remettre au cap. Ah bon ? À votre mari. J'ai dit bon, alors je le dépose chez lui, il descend, il me donne. Puis je rentre chez moi, je dis à mon mari, tiens, il y a, je ne sais plus, la voix, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment il s'appelait, qui m'a dit qu'il avait quelque chose pour toi. Non ? J'ai dit, tiens, voilà. Vous savez ce que c'était ? Une petite boîte de caviar. Parce que j'avais été gentille et que je l'avais ramassée sous la pluie. Non, mais ils étaient très. Tout le monde était gentil, tout le monde. Non, mais je vous assure qu'il n'y avait aucun problème. Alors, votre mari étant égyptien, étant déjà d'habitude du canal, il a dû former alors un certain nombre de ses... Ah bah oui, arrivés. Il formait des jeunes. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Parce que alors il dirigeait donc parce que il finissait par être un des seuls restés avant la nation. Oui, bah oui, c'était pas beaucoup. Hein, s'il y en avait, il y avait un grec, mais il est arrivé vite à la... Il y avait pilotage qui vite arrivait à la retraite. Il y avait, ils ont pris leur retraite et puis c'était fini. Donc, il ne restait pas beaucoup. Et à Suez, c'était le plus ancien, mon mari. Ah oui, c'est ça. Dans c'est le ça. Canal. Oui, dans le canal, oui, comme pilote. Voilà, il était pilote majeur. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pilote majeur ? Ah ben, c'est celui qui prend les plus gros bateaux. Ah oui, plus vous êtes... Oui, et c'est évident, hein, parce que c'est quand même plus délicat à manier. Oui. Mais alors, si je comprends bien, si les plus gros bateaux sont au début du convoi, en principe, non ? Oui, souvent, oui. Ah oui, d'accord. Quand ils sont en rade, on leur donne des numéros, ça ne peut plus arriver. Quand vous avez commencé à écrire, vous étiez encore au canal, hein, si je me rappelle bien, les premiers livres. Non, le premier, écoutez, ça me fait obliger à raconter ma vie. Hein. J'ai attrapé la typhoïde. Bon, et c'est comme ça que je suis venue, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de typhomycine, parce qu'avec ma mère, on allait voir les prisonniers et tout ça. Bon, ouais. Enfin, et j'ai été très mal, très très mal. Il y avait... Alors, la fille d'une amie d'enfance de mon père était mariée avec Roger Arnaldez, qui était professeur de philo avant et qui était devenu attaché culturel au Caire. Oui. Et c'est lui qui est... C'est un grand monsieur qui a fini comme secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. D'accord. Arnaldez. Roger Arnaldez. Oui, d'accord. Ah oui, monsieur... Alors, j'étais chez eux. Elle a convaincu ma mère de me faire venir en Égypte parce que le temps, c'était un paradis. Puis, il faisait beau. C'était... Bon, alors, c'est comme ça que je me suis remise. Et alors, je suis restée ici. Et je suis beaucoup sortie avec eux. J'ai connu Tahusen. J'ai connu Tahusen. Ah oui. Ça, on ne va pas vous interroger là-dessus, non. Mais c'est magnifique. Bon, et après longtemps avec sa femme, oui. Et maintenant, chaque 11 novembre, qu'il y a des nouveaux diplomates, je les mène à la tombe de Suzanne. Ah oui, d'accord.
est enterré ici. C'est une femme remarquable. Mais bon, et j'ai écrit après un petit livre qui s'appelait Festival égyptien. Vous savez, un petit livre facile à lire, n'importe quoi, et qui s'est bien vendu. Alors après, bon, comme j'apprenais l'arabe à la Cato à Paris avec le père Abdeljalil et le père Moubarak, on m'a demandé de continuer de faire la collection. Donc après, j'étais en Jordanie. J'ai écrit, c'était le premier livre en français sur la Jordanie. J'ai beaucoup voyagé. Puis après, ça a été le Liban, et la Syrie, à Damas, où j'ai été, j'ai fait des reportages. J'oublierai jamais le communiste à Damas, qui me demande, il m'envoie la voiture, une superbe Mercedes noire, et je vais pour un interview, et puis que je parle de lui, et puis il me dit, asseyez-vous à la... Il veut parler un peu français, parce qu'il mélangeait les deux. Asseyez-vous à la poitrine du salon. Ben oui, cèdre le salon, en arabe, c'est la place d'honneur. Oui, mais quand on traduit en français, asseyez-vous à la poitrine du salon, il est en train de rire. Oui. Ouais. Bon, mais... Et puis après, bon, je suis mariée. Alors, attendez, si ce n'est pas indiscret, donc si je vois bien, vous avez connu votre mari au Caire. Non, à Paris. À Paris. Hein. Non, pas à Paris, à Marseille. À Marseille. Parce que son cousin était le consul général qui est devenu l'ambassadeur en Argentine. Après. Ah, d'accord. Alors, je connaissais son cousin. Alors, j'ai son cousin, je l'ai rencontré. Voilà, c'est à Marseille. Mais il était déjà au canal ou il n'était pas encore au canal quand si, il avez... était au canal. Ah, oui, d'accord. Je me suis mariée en 55. Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes mariée en 55. Et je suis allée partie là-bas. C'est pour ça que j'ai dit, oh, non, la ville où il y a tous les chefs, moi, j'aime pas. Oui, oui. Et c'est vrai, hein. Ça fait toujours des problèmes. Quand on est loin de la tête, on est beaucoup mieux. Ah oui, ça c'est juste. Ah. Tout à fait. Donc vous vouliez être loin de la tête. Exactement. Et votre mari était d'accord. Oh, bah oui. Bon, lui, il travaillait sur le bateau, qu'il soit là ou là. Oui. Exactement pareil. Il s'est proposé en disant oui, je puis, tue à Ismaïlia. Non, puis on avait beaucoup d'Ismaïlia, d'amis, la famille de M. Zakaria Sadr. Oui. Nawal, qui était une grande amie, son épouse. Et bon, ça ne faisait rien. On y allait, on revenait. Oui, c'est comme ça que moi, je suis revenue avec une tempête de sable, parce qu'on avait passé la nuit, moi, j'avais passé la nuit chez Madame Sadr. On avait des amis, là-bas. Ah oui, donc, oui. D'accord, c'est ça. Oui, donc, oui, vous alliez à Ismaïlia, voilà. On allait partout comme on voulait. Oui. Puis, c'était tellement facile. Oui. On prenait la route de Suez à 2h du matin, 3h du matin. Il n'y avait que nous, presque, ah, autrefois. D'accord. Oui, oui. Je venais à Paris, au Caire, tout le temps. Oui, c'est ça, oui. Et finalement, pour votre travail d'écrivain, c'était plus facile d'être... D'être à Suez, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais oui, surtout, je vous dis, moi, mon travail social a toujours été très important, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Mais alors là, j'avais... Hein. D'accord. Je me souviens, un jour, la sœur passe et me dit, « René, vous savez qui vous l'avez ?»« Non. Vous l'avez le fils du Hadouti. » Alors, je regarde ce que c'est que ça. Elle me dit, « C'est le type qui lave les morts. » Bon. Alors, le soir, au canal, il y avait une fête. Je dis, ah, vous savez ce que j'ai fait, moi? Aujourd'hui, j'ai lavé le fils du type qui lave les morts. Ah ben, c'est pas tout le monde, hein, dites-moi. Oui, je prends toujours le côté comique des choses. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, tout le monde Vous deviez être considéré un peu comme une originale. Ah oui, alors, voilà. J'ai toujours été considéré comme une originale. Alors, ça changeait pas. Parce que vous abandonniez une vie mondaine, hein, que tous les gens... Oui, ben oui, mais... Ça vous intéressait pas? Non, pas du tout. Oh, pas du tout. La vie mondaine, vous savez, oh là là. Et puis quand j'ai été élue, pendant 30 ans, j'en ai vu des vies mondaines. Oui, oui, oui. Oui, on est blindé après, vous d'accord. savez. D'accord. Ça sert à rien, finalement. Oui, oui, oui. Hein, à parader, si ça fait plaisir, oui, mais c'est tout. Mais le travail de fond pour lequel on est fait, hein, c'est d'aider les autres. On est là sur Terre pour quoi faire? D'accord. Dans n'importe quel domaine. Vous, comme professeur, vous aidez les élèves, vous avez... Il faut aider. Moi, j'ai toujours été pour aider. D'accord. D'ailleurs, moi, vous savez que... Je m'excuse, mes professions de foi, parce que j'ai fait 7 fois une réélection, sans jamais bouger, d'ailleurs. René se présente. Oui, oh, bon, alors ça va. Bon, mais il fallait que je fasse un papier qui s'appelait « Servir ». Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est ça. Très bien. On est là pour servir. Pour vous... Finalement, le canal, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, ça résonne pour moi que ça a fait, au point de vue cosmopolite, c'était excellent. Au point de vue
connaître d'autres personnes, voir ce passage. Il est tellement beau ce canal, de voir. Il fait toujours. C'est rare quand il fait pas beau, de voir ces bateaux passer à côté de la terre. C'est superbe. Vraiment, il était génial, ce cher Ferdinand, parce que de réunir si rapidement la Méditerranée aux mers du Sud, c'est superbe. Hein. Et vous avez l'impression que dans votre travail d'écrivain, ça vous a inspiré un peu le canal plus largement? Non. 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 Ce qui vous a intéressé, c'est l'ensemble non. du monde arabe. Exactement. Tout à fait. Non, mais ça, non. Quand j'étais donc, en 1950, je suis arrivée au Caire chez mes amis Arnaldez. Monsieur Arnaldez, donc, qui était attaché culturel à ce moment-là, qui connaissait tous les pères du Michigan, qui connaissait tout le gratin du Caire, avec lui, j'ai connu donc Tahusen et Suzanne, son épouse. C'était un monsieur très réservé. Alors, évidemment, il vous regardait sans vous voir. Et oui. Et alors, c'était très bizarre, parce que oui, il avait des yeux. Alors, on était persuadés qu'il vous voyait, et alors qu'il ne vous voyait pas. Mais il donnait une telle impression de vie, de... C'était une grande âme, parce que lui aussi, c'était comme les pommes. Là. Il a pris ça, comment dirais-je, le fait est que son handicap est passé par-dessus, vous voyez. Il était tellement profond comme intellectuel, comme croyant. Il croyait beaucoup, hein, hein. Et il mettait sa croyance au-dessus. Et Suzanne, qui était sa main, qui était ses yeux, qui était tout. Et vous savez comment ils se sont connus ? Non. À Montpellier. Parce que lui, qui était très brillant, est parti, était à Montpellier. Il était dans le tramway et il y avait une jeune fille devant et qui, tout à coup, lui dit « Ah, monsieur, écoutez, arrêtez de me regarder comme ça !» Et alors lui répond « Mais je ne vous vois pas, je suis aveugle. » Alors du coup, elle a fondu. Elle a fondu, elle est descendue avec lui, elle l'a eu, et puis finalement, ils sont mariés. Et c'est elle qui l'a arrangé pour tout faire. C'était sa Suzanne. Il n'a pas fallu dire n'importe quoi. Suzanne, c'était sacré. Il y avait Dieu et Suzanne. Hein. Ah oui, oh, ça. Hein. Et le fait est que c'est vrai. Parce qu'elle était discrète. Elle était d'une élégance simple. Elle était énormément appréciée partout par son intelligence, par son doigté, par sa compréhension. Oh, c'était une femme remarquable. Et alors après, elle a eu deux enfants. Moenis, qui s'appelait Claude pour les Français, puisque les enfants sont devenus français, et qui était à l'UNESCO pendant très longtemps, et la fille qui a épousé un député égyptien ici, et qui a fait souche ici d'ailleurs. Et elle était toujours la même, toujours à aider, toujours gentille, toujours souriante. Et sa grande amie était une sœur des sœurs franciscaines de Bari. Et elles venaient souvent ensemble, et je les voyais aussi. Elle avait sa... Je suis photographiée avec elle, mais je ne sais pas où est la photo. Si je retrouve la photo, je vous l'enverrai. Ah oui, je suis avec elle et la sœur Patrick. Vous avez l'impression que vous avez une... Et je trouve que c'est très bien. Hein, une très grosse admiration pour Tahusen, c'est évident, mais oui. pour son épouse. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que sans son épouse, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Ah, ah bah non, parce qu'elle l'a introduit partout après. Oui. Hein, et puis je vous dis, une femme extraordinaire. Il est tombé. D'ailleurs, il faut déjà être extraordinaire pour épouser un étranger musulman aveugle. Ah oui. Dites-moi un peu. Oui. Ah, faut déjà pas être normal, hein. D'accord. Bon, donc elle a toujours été cette femme, le besoin d'arranger. Puis comme il était un homme adorable, alors bon, ça marchait très bien. C'était un couple très uni, très très uni. Alors ça, Suzanne, oh là là. Elle n'a jamais changé de religion, elle est restée chrétienne, hein, puisque on a le droit. Le mari musulman peut épouser une chrétienne, elle n'est pas obligée de se convertir. Par contre, un chrétien doit se convertir s'il épouse une musulmane. D'accord. Ils n'ont jamais chacun conservé ça. Elle est enterrée au cimetière latin. D'accord. Non. Une femme. Non, c'est vrai. Puis il recevait très bien. Il avait une villa sur la route des pyramides, je m'en souviens. On allait, on était très bien reçus. C'était tellement facile. Tout était... Vous savez, avec les gens d'une certaine hauteur d'esprit, la vie est facile.